Bonjour. Les faux amis sont un classique de l'étude des langues. Comme vous le savez, deux ou plusieurs langues étrangères sont enseignées en Azerbaïdjan au niveau secondaire. L'un des facteurs qui rend difficile la compréhension de ces langues est faux amis. Les faux amis sont des mots appartenant à deux langues différentes et qui ont entre eux une grande similitude de forme, mais non, les significations sont différentes. En français, le mot essence peut se rapporter soit à la nature des lettres, soit au carburant. Dans le premier cas, la traduction en anglais est tout simplement essence, tandis que les pétrole, en anglais britannique, ou gaz, abréviation de gasoline, en anglais américain. Dans le deuxième cas, en français, le mot pétrole désigne tout simplement la substance de base appelée pétrolium. Oil and en anglais. En anglais, nouvelle signifie roman et non nouvelle qui se dit short story. Actually, en fait, en réalité, actuellement, now, at present. Affaire, une aventure, une liaison amoureuse, une affaire, business matter. To bless, bénir. En français, blesser. To wound, to injure, to hurt. Brilliant, génial, super, brillant, bright, shiny. Class, un cours, une leçon, une classe, classroom. To demand, exiger, demander, to ask. Pain, la douleur, le pain, bread. To survey, mener une enquête, faire un sondage, interroger, surveiller, to supervise, to watch, to monitor. Fast signifie rapide en anglais et presque en allemand. Les faux amis sont des paires de mots dans deux langues qui sont similaires en orthographe ou en prononciation, mais dont les significations sont différentes. Il y a une ligne entre les vrais amis et les faux amis. Et si je te dis ça, si je te raconte cette chose horrible, alors tu dois réagir comme mon vrai ami et pas comme mon faux ami. J'ai complété cette liste par les définitions des mots afin de comprendre leurs différences de signification. On arrive à la fin des leçons. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle leçon.